Dans ce quatrain numéro 5, à la ligne 1, Nostradamus nous explique qu'il y aura une grande famine en Inde et que dans le monde, il y aura une maladie contagieuse. Il est fort possible qu'il n'y ait aucun remède contre cette maladie contagieuse. Il confirme à nouveau l'effondrement des Andes. C'est pour cela que vous devez vous regrouper, tous, afin de vous préparer une survie. Si ce n'est pas pour vous, ce sera pour les autres. Soyez altruistes, c'est important. Nous allons commencer la construction des structures des abris dans le courant du mois de juillet. Si vous désirez nous rejoindre, vous avez sous la vidéo, dans la boîte de dialogue, une adresse mail. Vous pouvez nous contacter à cette adresse mail. Me laissez votre numéro de téléphone, je vous rappellerai pour définir les conditions de nos constructions. Voici maintenant la révélation. Voici la ligne numéro 1 du quatrain numéro 5 de la 6e centurie. Six grandes famines par un des pécifères. La ligne soulignée en jaune, c'est cette ligne qui va être décryptée. Voici la première ligne du quatrain numéro 5. Six grandes famines par un pécifère. Voici la révélation. Seront ces notes afin de gérer la grande époque de l'année de l'effondrement des Andes. Ces notes contiennent également la famine à cause d'une explosion. Ce sera à cause des armes des pouvoirs. L'art des mots indiquera une époque de révolte et de haine dans les rues de l'Inde. La colère de Dieu pour cause des armes des pouvoirs de peste à l'est du monde. Tu tisses ici les faits, tu feras les heures de cette époque. Le récit ici même concernera une grande famine qui apparaîtra en Inde, ainsi que le pouvoir d'une maladie contagieuse. Ici tu feras les heures. Voici maintenant la même ligne, mais cette fois écrite à l'envers. Voici la révélation. Pour les heures de cette époque sera un pouvoir de peste à l'est du monde. Tu auras en premier les heures de l'Inde qui déraperont. L'époque sera dure et fera de la peine. Tu as le premier lame à mander. L'année où les Andes seront défaites, ce sera un amas. Il faudra gérer le récit écrit hier et avoir les yeux sur cette période. Il faut refaire le pouvoir des heures de peste qui tiendront l'Inde. Voici maintenant les analyses qui ont permis d'obtenir ce texte. Vous aurez à peu près 14 secondes pour arrêter le texte afin de bien l'analyser.